مشاهدينا الكرام متابعي قناة الجزائرية، وأن أهلا بكم في هذا العدد الخاص بموسم الاستياف اللي راح يطلع لكم كل نهاية أسبوع على قناتكم الجزائرية. إذا الجزائر تغني أوروبا هو شعار هذه التظاهرة لعودة ولات في طبعتها 21 بعد ما غابت عليكم لطيلة عام كامل بسبب لاكريز سانيتير اللي عطلت كل أنشطة ثقافية بارتو دون الموند أنتي. هذا طبعا الي اكسيبسيونيل، راح يكون فيها أن بروغرام تري ريش تري سبيسيال، راح تسافروا من خلاله لعدة بلدان أوروبية، راح تكتشفوا ثقافات مختلفة وراح تستمعوا إلى موسيقى بأصوات جزائرية. Les anciens disent que la parole est comme une toile d'araignée. Pour l'homme habile, c'est un abri, mais pour le maladroit, c'est un piège. Les anciens disent aussi qu'une parole n'est parole non pas parce qu'elle est prononcée, mais c'est une parole parce qu'elle est écoutée. Je vous prie de me prêter vos oreilles. Je vous les rends vers la fin de cette histoire. Ceux qui paraissent les plus simples sont souvent les plus traîtres. Un de ces faux amis est justement identité. Nous croyons tous savoir ce que ce mot veut dire, même quand il se met insidieusement à nous dire le contraire. D'une poignée de sable, nous ferons un commencement de jardin. Comme de tous nos rêves, nous allons faire notre ciel. C'est une histoire très récente, celle d'un jeune homme qui entreprit un long voyage. Il alla de ville en ville, de contrée en contrée, d'un pays européen à un autre, traversant un vaste territoire. Traversant un vaste territoire qu'il aurait aimé appeler ma patrie, et ses habitants avec leurs différentes appartenances, ses compatriotes. Au plus profond de son être, il le sentait ainsi, mais pour le formuler, il y avait une barrière identitaire et culturelle qui l'empêchait de le vivre pleinement. Les jours ont succédé aux jours, les mois aux mois, les années aux années. Il continuait son voyage. Arriva le jour où il devait rentrer chez lui, revenir au point de départ. Sur le chemin du retour, le jeune homme est plongé dans ses pensées, réfléchissant à la question de l'identité, l'appartenance, le territoire qui leur correspond, disant que si mon Europe tend vers l'unité devra bien concevoir son identité comme la somme de toutes ses appartenances, linguistiques, religieuses et autres. Si elle ne revendique pas chaque élément de son histoire, et si elle ne dit pas clairement à ses enfants qu'ils doivent pouvoir se sentir pleinement européens, sans cesser d'être allemand, français, grec ou italien, elle ne pourra tout simplement pas exister. Si on adhère à cette nouvelle conception de l'identité pour elle, pour chacun des pays qui la composent, et un peu aussi pour le reste du monde, on ne peut que ressentir une certaine parenté avec chacun des éléments que cette identité compose. On garde certes un rapport très particulier avec sa propre culture et une certaine responsabilité envers elle. Mais des relations se tissent également avec les autres composantes.
en arrivant chez lui, de par le cheminement de toute cette pensée, il ne se sentait plus exclu de la civilisation commune qui était en train de naître, dans laquelle chacun peut y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre, et où chacun encore peut s'identifier ne serait-ce qu'un peu à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure, et ainsi à trouver dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle. Une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, le sentiment d'appartenir à la grande aventure humaine. Chers humains, ayez ce sentiment pour qu'on puisse tous partir dans cette aventure qui est la nôtre. De là où je viens, les femmes disent « Compagnon, posséder quelque chose dans cette vie, ça n'a jamais empêché le monde de la reprendre. » Les hommes disent « N'accusons jamais un de nos semblables, car chacun essaye de creuser un sillon avec cette seule vérité pour arriver au bout de son sillon pour y laisser une trace. De debout, nous sommes couchés jusque dans l'éternité. » Mais les poètes disent « De tout temps, de tout lieu, les êtres que nous sommes, avons toujours sublimé le sentiment de l'amour. Et si on se donne à ce sentiment, ça fait de nous l'esclave de sa loi. Si nous sommes venus aujourd'hui à Alger pour vous retrouver, on lui a donné tout cet amour, ça fait de nous l'esclave de sa loi. Il n'est pas plus bel esclavage que celui de la loi de l'amour. » احنا على مستوى المسرح الوطني خصصنا مداخل خاصه للصحفيين وللجمهور وللضيوف، كلنا على حده من اجل التحكم، وايضا كل يعني كل واحد يدخل للمسرح الا وعنده تذكره، وهذا ايضا من اجل يعني نعود الجمهور تاعنا على اقتناء التذاكر لمتابعه اي نشاط ثقافي، وخاصه في المسرح الوطني الجزائري وفي مختلف المؤسسات الثقافيه، وحتى بنعود الى فيما يخص البروتوكول الصحي لكوفيد 19. احنا حضرنا برنامج خاص يعني فلاير وزعنا على كل الجمهور، ويمشي مع التذكره لاحترام كل التدابير الصحيه. شفنا دابخي لو بروغرام يا دي زارتيست اللي عندهم ميولات للموسيقى الغربيه، اختيار الفنانين كان على هذا الاساس. متى احنا طلبنا من الفنانين الجزائريين اللي هما راح يعبروا على التراث الموسيقي الجزائري، هو تقريبا كاين لوحه من الموسيقيين عبر كل القطر الجزائري، وبالطبع خلينا لهم هما معناتها الحريه باش يختاروا الموسيقات الغربيه اللي ممكن يادوها باش نحضروا الموسيقى الاوروبيه، وهذا كما قلت لك من باب نتاع الاخوه والحوار بين الحضارات. Thank you.
Thank you.
Yeah.
فاطمة. ولفنا الناس يشوفونا مترافقين هنا ناي انا ناي هانيا وكنا متحابين انا ناي انا ناي وشافوني وحدي يا وراهم سقسوني عليك انا ناي هنا ناي عرفوك مني مشيتي ورانا متفارقين هنا ناي Oh,
طامع ما نشتا قليل بالله يا خويا باغي نوصيك هذا كلامي وفهمني تقالك هاوي زهرة فيك تقال بنات تايهين فيك تلك اخوك يتاجر فيك هذه الدنيا ما نزيد عليك
Nous avons choisi certains morceaux européens qu'on va jouer là actuellement. Comme Caravan, bon, c'est un morceau international. Comme joué par Fethi, la Bohème, et chanté un peu par moi, hier encore, et I Can Get No Distance. Voilà ce que nous avons choisi pour l'instant pour faire plaisir et dire qu'on joue toutes les musiques du monde. Il n'y a pas de problème, on joue tout et c'est ça notre force. Il faut jouer toutes les musiques du monde, il faut se connaître, il faut que les peuples se connaissent, apprennent à vivre ensemble, voilà le but. Thank you.
encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours, qui fuyaient le temps. J'ai fait tant de projets, qui sont restés dans l'air, j'ai fondé ton espoir, qui se sent envolé, que je reste perdu, sachant où t'aller. Les yeux cherchent le ciel, mais le cœur mis en peine. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes qui avant d'exister, mes amis sont partis, ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Hier encore j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps en croyant l'arrêter. Mais pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir, s'essouffler du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes peurs. Où sentira vraiment, à vraiment mes 20 ans, mes 20 ans. Satisfaction. Oh, can I get no satisfaction? I can't get no.
ولا زعاف هما انا ما عنديش هرا خاص
لطيف
ساكس دندان الشيخ جيتار آدم قدور Mandela. Hachmi m'a dit on va l'appeler Mandela. 29 ans aux États-Unis. 29 ans de prison. Kadour Mandela. Il est resté 27 ans. 27 ans. Nelson Mandela, 29 ans. 27 ans. Allah yarham shouhada. On l'intitule Mona Lisa. C'est un peu une hymne culturelle, nationale culturelle. Thank you.
ولا مهموم سماها تفحل العيوم نجمات النجوم نيران ولا مظلوم يا سينا عطار لطفي نوتخ باتر هشمي جلوني هشي ولا مهبوب
سينا يا سينا ويا سينا يا سينا ويا سينا Un ancien jeune, Qaddour Adab. Au clavier, un jeune. Ah oui. Fethi.
الآن راهو حاضر معايا سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر سيد جون أوغوك اللي راح يتكلم لنا عن انطلاق هذا المهرجان. Alors, monsieur l'ambassadeur et délégué de l'Union européenne, monsieur Jean Ourc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du festival. Dites-nous en quelques mots ce que vous pensez de cette nouvelle édition, surtout après une année d'absence suite à la pandémie du Covid-19. Voilà, alors ce que je constate, c'est qu'évidemment, on s'en doutait, mais c'est beau de le voir, c'est que le public a vraiment envie d'entendre de la musique, de participer à cette musique activement, donc pas virtuellement, mais d'être là. Je pense que c'est un succès de notre coopération, de nous, avec l'appui du ministère de la Culture du Théâtre National d'Alger, mais également nous au sens de la délégation de l'Union européenne, ainsi que ces États membres qui ont contribué à mettre en place ce programme. Les talents algériens sont au rendez-vous, ils font leur musique, mais ils présentent aussi un clin d'œil à l'Europe. On a entendu Rana Raï, par exemple, produire la bohème, des choses dont on ne pourrait peut-être pas s'attendre automatiquement, aussi d'autres pièces du répertoire européen, international. Donc je pense que c'est un très heureux mélange. J'en connais un petit peu, je ne pense pas que j'ai commencé à vraiment connaître toute sa diversité, la musique andalou, la musique chaoui, la musique
Gnawi, enfin, il y a beaucoup de variétés. Je ne peux pas prétendre à être connaisseur de tous les genres. Mais voilà, c'est cette universalité qui est au fond de chaque style qui m'impressionne toujours. Un mot de fin, Sarah. Think about this festival. I really liked it. I hope it will be that much fun every single day. It's my first time to be in this theater and I was impressed with all the positive energy that I heard today. بعد ما شفنا تفاعل كبير للجمهور مع فرقة رينا راي راهو حاضر معنا الفنان الفرقة لطفي عطار اللي راح يمد لنا تفاصيل عن هذا السهرة وخاصة اللقاء مع الجمهور. السلام عليكم. السلام عليكم دابور. هي كما قلت قبيله الببليك ما تبدلش الببليك كي توجو لو ميم وزيد حاجه دي زياده كما نقولوا سي لي جون ولادهم اي تو سا اي سا سان بي بليزير لا فيريتي باسكو سي تادير راينا راي ما كتبتش ما دارش موسيقى تاع فلوس كما نقولوا ما دارت موسيقى صح دي باش تبني بها نبني بها بلادنا اون غروند ميوزيك اون افي دو لا غروند ميوزيك انترناسيونال جديد صافي دوبوي غادي نقول لك بالك دوبوي 2010 وانا بريباري فيه راه عندي بالك اون سونتين دو شونسون وان شاء الله ان شاء الله نخرجوهم خرجوا ان البوم بالك جو فيغ ان سينجل دو تيتر افيك ان كليب هكا تو بالك جو فيغ سا ومن بعد جو فيغ البوم كومبليتمون هي كلشي كاين بصح بالك جو شوازيغ دو بور دير كوني لا تو هيا عاودها وعاودها I'm